Ah bah ça va leur changer des Nissan Leaf à la police britannique. C'est la police britannique des transports, hein, c'est pas la police normale. Donc ils ajoutent une Model 3 et une Kia EV6 à leur flotte. Bah oui, voilà, c'est ça qu'il faut. La police britannique des transports a ajouté deux nouveaux véhicules électriques à sa flotte après avoir appris livraison d'une Model 3 et d'une Kia EV6 ce mois-ci. La BTP est une force spéciale qui contrôle le réseau ferroviaire d'Angleterre, du Pays de Galles et d'Écosse, couvrant plus de 10 000 miles de voies et plus de 3 000 gares et dépôts. Les livraisons ont été annoncées par le chef, Lucy Dorsey, la chef du coup, notant qu'il s'agit des premiers véhicules entièrement électriques à rejoindre la flotte de patrouille du BTP. Alors BTP chez nous, c'est les travaux publics, bâtiments de travaux publics, ça n'a rien à voir chez eux pour le coup. Les deux véhicules électriques étaient équipés du design bleu et jaune caractéristique des voitures de police britanniques. Très moche d'ailleurs, hein, ce design. Hein. Je suis pas fan du tout. Les achats font partie de la stratégie gouvernementale Road to Zero, qui vise à réduire les émissions des services d'urgence et à convertir l'ensemble de leur flotte d'ici 2030 à électrique. Pour montrer ce qu'une Tesla peut fournir, le constructeur automobile a commencé à promouvoir officiellement la Model 3 en tant que véhicule d'intervention d'urgence dans la région et a créé une voiture de police de démonstration qui sera testée par diverses forces de police. Bon, c'est pareil aux US, il y a plein de Model 3 de police, quoi. Après 9 mois de tests, Tesla a révélé certaines de ses conclusions des tests, montrant des résultats prometteurs et démystifiant un mythe selon lequel l'utilisation de véhicules électriques comme véhicule d'intervention d'urgence n'est pas pratique en raison de la portée, donc de l'autonomie et du temps de charge de la batterie. Et en Floride, donc, la police a acheté 13 modèles Y pour sa flotte. Ben voilà, la police se convertit gentiment à l'électrique. Donc à quand des Dacia Spring de police en France? Pour les courses-poursuites, ça va pas être top hein, quand même. Je vous laisse commenter. Ciao.